Bonsoir à tous, donc on va commencer dans cette salle avec Dr Boussafa, donc qui remplace Ahmed, qui lui a assuré la formation la fois dernière. Donc le sujet, c'est l'incontinence urinaire de la femme, état des lieux. Et sans plus tarder, je lui cède le micro. Je profite pour souhaiter un bon rétablissement à notre consoeur Malik, qui était chaque soir parmi nous, qui, Inch'Allah Rabbi, terja labes. Elle nous écoute, je pense, en streaming. Inch'Allah labes, Malik. Je vous remercie tous de votre présence aujourd'hui pour donc traiter de cette pathologie qui est l'incontinence urinaire chez la femme. C'est un sujet qui implique donc les médecins généralistes et aussi les urologues et les gynécologues et d'autres spécialités comme les la kinésithérapie. Donc, je me présente, je suis Dr Hamza Boussafa, je travaille à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis. Donc, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt pour le sujet. Donc, le choix du sujet de l'incontinence urinaire chez la femme, il est justifié du point de vue sa prévalence qui est assez importante. C'est une pathologie qui est assez fréquente. Elle est plus fréquente que l'HTA et même le diabète. Ça a été prouvé dans plusieurs pays, dans les USA. Et en France, la prévalence, elle est estimée à 37% chez les femmes de plus de 18 ans. Cependant, on remarque que seulement 40% des femmes qui souffrent donc de cette incontinence urinaire en parlent à leur médecin. Donc cette incontinence urinaire, elle est aussi responsable d'une altération assez importante de la qualité de vie. Elle conduit à une baisse du rendement au travail et même à la dépression. Donc c'est un fardeau pour les femmes. Elle altère aussi la sexualité. Donc une étude qui a été faite ici sur l'hyperactivité physicale avec fuite par urgenturie, c'est un type particulier des fuites urinaires, qui montre donc une baisse importante de l'orgasme et de l'activité sexuelle chez les femmes qui en souffrent. C'est pour cela qu'il est recommandé donc par plusieurs sociétés de médecine générale de rechercher activement l'incontinence urinaire lors des consultations. Donc, la définition qu'on adapte, c'est celle de l'incontinence de l'International Continence Society. Donc, l'incontinence urinaire, c'est toute perte involontaire d'urine par l'urètre. Chez la femme, donc, on distingue trois types essentiellement. C'est à l'effort, donc à l'effort de tout, de rire, donc effort de poussée abdominale, il y a une fuite donc involontaire d'urine. Il y a aussi le mécanisme par urgenturie. Après, c'est une sensation de besoin impérieux, donc non inhibé, qui résulte si la patiente n'arrive pas à accéder aux toilettes rapidement, à engendrer des fuites urinaires. Et il y a la forme mixte. Elle associe l'incontinence urinaire à l'effort et l'incontinence urinaire par urgenturie. Donc on va remarquer que lors de l'interrogatoire, il y a une des formes qui prédomine lors de cette association. Donc, point de vue physiopathologie, l'incontinence urinaire à l'effort, elle est essentiellement due à une hypermobilité urétrale. Donc, normalement, lorsqu'il y a une augmentation de la pression intra-abdominale, les forces vont pousser donc l'urètre qui va se comprimer contre l'amac, le tissu sous-urétral, et donc on aura, donc, comme on le voit sur la photo, on aura une compression de l'urètre contre un plan dur, ce qui va améliorer la continence. Lorsqu'il y a une hypermobilité urétrale, il y a une perte du tonus des tissus de soutien de l'urètre proximal, et donc on aura l'impression, c'est schématisé ici, qu'on va appuyer sur un urètre avec un tissu sous-jacent qui est mou. Donc on ne va pas comprimer la lumière et obstruer la lumière de l'urètre, donc c'est là que les fuites urinaires arrivent. Donc, un autre mécanisme, l'hypermobilité urétrale, c'est le mécanisme le plus fréquent. Donc, il y a aussi une insuffisance sphinctérienne qui peut s'observer.
par altération en soi du sphincter interne ou du sphincter externe. Et donc, lors du remplissage de la vessie, le sphincter qui doit assurer son rôle de continence ne va pas être performant et ça va engendrer des fuites urines. Concernant l'incontinence urinaire par urgenturie, donc c'est soit un excès de stimulation des voies afférentes donc de la vessie, des voies nerveuses afférentes de la vessie qui vont donner une sensation de besoin impérieux, soit un excès de stimulation des voies donc efférentes qui vont donner une commande motrice, donc une contraction du muscle détrusor, et ça va donc donner le besoin urgent. Si la patiente n'arrive pas à aller aux toilettes, accéder rapidement, donc elle ne pourra pas se retenir, et ça va donc engendrer des fuites urinaires. Donc, le diagnostic d'une incontinence urinaire chez la femme, c'est un diagnostic qui est clinique. Il est basé essentiellement sur l'interrogatoire. C'est un temps essentiel, mais souvent difficile. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs éléments à rechercher. Donc, on pourrait les oublier, la consultation elle est un peu longue, la patiente elle est fatiguée, le médecin elle est un peu fatigué. On peut demander plusieurs données, mais il arrive qu'on oublie certaines. Donc, on peut s'aider lors de ce temps des questionnaires. Il existe des questionnaires préétablis qu'on peut utiliser pour cocher à chaque fois les items qu'on va demander. Donc, on va porter une attention particulière, surtout aux antécédents gynécologiques, donc obstétricaux, donc le nombre de parités, le déroulement des grossesses, les facteurs de risque lors de ces grossesses, est-ce qu'il y a eu des manœuvres donc endovaginales, et les antécédents chirurgicaux urologiques ou de chirurgie rectale. On va donc voir si la patiente elle a un diabète ou pas, si elle est ménopausée ou pas, si elle a pris un traitement hormonal, les éléments, donc, les facteurs de risque d'atrophie donc vulvo-vaginale, donc un déficit au niveau du mécanisme de soutènement de l'urètre. Il ne faut pas oublier donc de demander le retentissement de ces fuites urinaires sur le plan psychologique chez la patiente et d'estimer un peu la quantité des fuites urinaires. L'interrogatoire permettra d'emblée donc d'orienter vers soit une incontinence urinaire à l'effort ou une incontinence urinaire par urgenturie selon le mécanisme. Il appréciera aussi les symptômes du bas appareil urinaire associés à type de polacurie, nicturie, désurie, c'est là des difficultés à uriner, des brûlures mixtionnelles et donc ou bien une hématurie qui peut orienter vers le diagnostic étiologique. Donc on passera après à l'examen clinique qui est à la fois urologique, gynécologique et neurologique. Donc en médecine générale, cet examen, il est sommaire. C'est un examen préliminaire, mais qui est important. Donc il devrait se faire à vessie pleine, en position gynécologique et debout. La vessie pleine, ce n'est pas toujours facile de la retrouver dans la pratique courante parce que la patiente aura pris ses précautions. Elle aura vidé sa vessie et elle aura mis des garnitures. Elle ne va pas consulter avec une vessie qui est un peu pleine, qui risque de la gêner dans la salle d'attente. Donc, il appréciera aussi l'atrophicité vulvo-vaginale. On recherchera un globe vésical, donc, qui sous-entend qu'il risque d'y avoir des fuites par regorgement. Les fuites par regorgement, c'est les fuites urinaires par trop-plein. C'est un autre mécanisme. Et là, il faudra d'emblée adresser la patiente pour avis urologique. Si la patiente elle a des fuites urinaires par regorgement, c'est qu'elle ne vide pas bien sa vessie et il faut l'adresser en urologie. Donc l'examen clinique, il permet d'objectiver la fuite urinaire à l'effort de toux et de poussée. L'absence de fuite urinaire objectivée à l'examen clinique n'élimine pas donc l'incontinence urinaire parce que parfois elle ne peut pas être objectivée à l'examen, elle peut être objectivée dans d'autres conditions. Donc les deux manœuvres donc connues de Bonnet et d'Ulmstein. Donc, on va s'aider de deux doigts de part et d'autre de l'urètre au niveau du cul-de-sac vaginal antérieur, qu'on va donc exercer une pression et voir si les fuites urinaires disparaissent ou pas. Donc, la manœuvre de Bonnet est dite positive. D'Ulmstein, c'est la compression au niveau de la jonction un tiers distal, un tiers moyen de l'urètre, c'est-à-dire à 1 cm du méa.
Ces deux tests, lorsqu'ils sont positifs, c'est-à-dire que la fuite, elle disparaît, ça prédit de l'efficacité d'un traitement chirurgical par bandelette, donc sous-urétra. Donc il faut aussi rechercher un prolapsus pelvien. Il faut faire attention que le prolapsus, il peut faire un effet pelote, c'est-à-dire une plicature au niveau du col vésical et donc une dysurie, et ça va masquer les fuites urinaires. Donc à l'examen clinique, il faut refouler le prolapsus et demander à la patiente de faire un effort de toux ou de pousser pour déceler les fuites urinaires. Le toucher vaginal, il est tout aussi important. Il va évaluer l'atrophicité de la muqueuse vaginale, la qualité des releveurs et la force de contraction. Donc, on va mettre deux doigts dans le vagin et demander à la patiente de se retenir, de contracter. Et on va voir si elle arrive à contracter son vagin ou pas. Parfois, on découvre qu'il y a une inversion de commande, c'est-à-dire on demande à la patiente de contracter son vagin, de se retenir, et là, elle contracte ses muscles abdominaux. C'est une inversion de commande. Elle devrait, normalement, pour se retenir, il faut relâcher ses muscles abdominaux et contracter son périnée. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Contraction des muscles abdominaux, relâchement du périnée, ce qui aggrave les fuites urinaires. Donc, ça aura une implication sur le traitement après. Un examen neuropérinéal, mais vraiment sommaire. On ne demande pas tout un examen neurologique complet. C'est juste pour voir la sensibilité au niveau du périnée. Et certains réflexes sont faciles à produire. C'est le réflexe clitorido-anal qui évalue la racine S3. Cutané anal, c'est S3-S4. Et lorsque la patiente elle tousse, l'anus se contracte. Et là, ça permet de voir l'arc réflexe. Donc, si ces réflexes-là ils sont présents, ça témoigne que l'arc réflexe il est normal. Donc, dans l'incontinence urinaire chez la femme, est-ce qu'il faut systématiquement demander des examens complémentaires? Donc, on a dit que le diagnostic, il est clinique. Les examens complémentaires, on va les demander si on veut mieux comprendre le mécanisme, ou bien dans un but pronostic, ou bien pour orienter la prise en charge. Donc, les examens complémentaires ne sont pas systématiques. Ça dépend de la gêne, de la réponse au traitement initial, et donc du mécanisme de cette fuite urinaire. Il y a le PAD test. Ce n'est pas vraiment un examen très important, c'est juste la pesée des couches pour objectiver une fuite urinaire qui est passée inaperçue. Donc il y a une discordance entre l'examen que vous faites et ce que la patiente elle rapporte. Elle rapporte des fuites urinaires importantes, et vous examinez la patiente, rien n'est objectivé. On peut recourir au PAD test, c'est-à-dire une épreuve d'effort standardisée, normalement d'une heure, et après on fait une pesée des couches. Et si le poids il est supérieur à 1 g, donc on va dire qu'il y a une fuite urinaire. Les bandelettes urinaires, ou l'examen cytobactériologique des urines, il est demandé lorsque on a une incontinence urinaire par urgenturie. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer une épine irritative de la vessie. Lorsqu'il y a une incontinence urinaire par urgenturie, on recherche une épine irritative. Une épine irritative, c'est-à-dire un facteur qui irrite la muqueuse vésicale, comme une lithiase vésicale, ou bien une tumeur vésicale, ou bien une infection. Donc on va faire soit des bandelettes urinaires ou bien un examen cytobactériologique des urines. Cet examen peut être demandé, quel que soit le type de l'incontinence urinaire, même si elle est à l'effort, lorsque les fuites sont très importantes et la patiente elle porte régulièrement des garnitures. Si on va demander un bilan urodynamique ou une cystoscopie, il faut que les urines soient stériles. C'est pour cela qu'on va demander dans ce cas un SEBU. Donc la cytologie urinaire, c'est-à-dire l'examen des cellules après donc prélèvement des urines au microscope, donc on va le demander si on suspecte une tumeur vésicale en présence de facteurs de risque, c'est-à-dire une patiente qui est tabagique, exposée au tabac, la présence d'une hématurie microscopique, ou bien des signes irritatifs vésicaux en l'absence d'infection urinaire et qui ont donc son rebelle au traitement. Donc il faut parfois éliminer une tumeur vésicale. L'échographie urinaire, elle est surtout utile pour évaluer les résidus postmictionnels. Ce n'est pas pour explorer le haut appareil urinaire, c'est-à-dire les reins, les voies excrétrices supérieures, mais surtout pour évaluer les résidus postmictionnels.
Le RPM donc, est évalué surtout si on va donc prescrire des anticholinergiques devant une incontinence par impériosité. Parce que les anticholinergiques donc, risquent d'affaiblir le muscle détrusor, la contraction du muscle détrusor, et donc risquent d'aggraver un résidu qui est déjà présent. En cas d'incontinence d'effort au mixte, donc on va demander l'évaluation du RPM si on prévoit de faire un traitement chirurgical. Parce qu'après traitement chirurgical par bandelette, il y a un risque de dysurie. C'est l'effet contraire. La patiente, elle faisait des fuites. On fait une bandelette et là, la patiente, elle devient dysurique. Elle n'arrive pas donc à bien uriner. Donc, vaut mieux évaluer le résidu post-mictionnel avant de faire un traitement chirurgical. Le bilan aérodynamique. Dans le bilan aérodynamique, ça va évaluer le fonctionnement donc, des sphincters, de la vessie et nous donner une idée sur le fonctionnement donc, de ce couple. Il va être détaillé par mon collègue dans l'autre salle, donc ça sera une présentation un peu sommaire sur le bilan aérodynamique. Il est à noter qu'il n'est pas obligatoire. Donc lorsqu'on a une incontinence urinaire d'effort pur, il n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'indication à demander donc un bilan aérodynamique. Par contre, on peut le demander en cas d'incontinence urinaire d'effort lorsqu'on prévoit de faire une chirurgie pour évaluer donc la contraction de la vessie. Si la vessie est hypocontractile, il y a plus de risques que la patiente fasse une rétention en post-opératoire. Donc, si le muscle détrusor est déjà affaibli, si on met une bandelette ou un traitement lors du traitement chirurgical, donc il y a plus de risques de dysurie. Pour l'incontinence urinaire, donc compliquée, complexe ou compliquée, c'est-à-dire en présence d'antécédents de chirurgie de l'incontinence urinaire, une patiente qui a déjà eu un traitement chirurgical de son incontinence. Donc, pour prévoir une nouvelle approche thérapeutique, on va demander un bilan urodynamique. Lorsque l'incontinence urinaire elle est associée à des urgenturies avec des fuites, l'incontinence urinaire, elle est sévère, très importante. Ça peut témoigner d'une insuffisance sphinctérienne. Donc, on va demander un bilan urodynamique. Lorsque on a l'impression que la capacité vésicale elle est réduite, donc la vessie n'est pas vraiment compliante, et là, c'est dans un but pronostic. Une vessie qui ne fait pas son rôle de réservoir, donc elle ne se remplit pas bien à basse pression, elle se remplit à haute pression, il y a un risque sur le haut appareil. Un risque de reflux et donc de pression haute qui peut détruire le rein. Dans ce cas, on va demander donc un bilan urodynamique dans une approche pronostique et pour juger du traitement. Donc, parce qu'on peut aller à la chirurgie directement. Si on a une suspicion d'obstruction d'hypocontractilité vésicale, on l'a déjà dit, et en cas d'échec de traitement de première ligne. Donc, en quoi consiste ce bilan urodynamique? Donc, la patiente. Elle va faire une débimétrie. Donc, elle va s'asseoir sur donc un équivalent de toilette. Et c'est l'appareil qui va calculer donc le débit que la patiente va faire au cours de sa miction. Et on aura un tracé. Le tracé normal, c'est une courbe en cloche, d'habitude. Si on trouve une courbe qui est hachurée, ça témoigne d'une dysurie. Donc, après, on va faire une cystomanométrie. Donc, c'est l'appareil là. Qu'on voit là. Donc là, on fait une mesure de la pression au niveau de la vessie, une mesure de la pression abdominale. Et donc après, on va faire une profilométrie, c'est-à-dire une mesure de la pression au niveau de l'urètre. On aura plusieurs tracés. Le plus important à retenir, c'est que normalement, la vessie, elle se remplit à basse pression. Et il n'y a pas de contraction lors du remplissage. Les contractions du muscle détrusor de la vessie se voient donc lors de la miction. Parfois, on peut voir, comme le schéma ici, on peut voir des pics de la pression donc détrusorienne qui témoignent de contractions non inhibées du détrusor. Donc, il y a une contraction que normalement ne devrait pas être là. Il y a des contractions du muscle détrusor que normalement devraient être inhibées. C'est l'hyperactivité détrusorienne. Donc, c'est le reflet urodynamique de l'hyperactivité vésicale. Donc, c'est pour cela que la patiente, elle ressent des urgenturies. Il y a des pics de contraction du muscle détrusor.
Donc la profilométrie, donc elle va mesurer la pression au niveau de l'urètre pour avoir une idée sur la pression de clôture maximale, pour donc juger un peu de l'insuffisance sphinctérienne ou de l'hypermobilité de l'urètre. Donc on va passer après ces explorations-là, après l'interrogatoire, l'examen clinique et les explorations éventuelles, on va décider du traitement. Donc habituellement, le plus fréquent, c'est une incontinence urinaire à l'effort, qui est pure. Et donc, on va passer à un traitement de première ligne, qui est à la portée de tout médecin. Donc, en pratique courante, en médecine générale, on peut d'emblée prescrire le traitement de première intention lors d'une incontinence urinaire à l'effort pur. On peut aussi prescrire d'emblée le traitement initial d'une incontinence urinaire par égenturie lorsqu'il n'y a pas de signe de gravité sur le haut appareil urinaire, il n'y a pas de signe de vessie neurologique qu'il faut prendre en milieu spécialisé. Donc ce traitement, il sera sur mesure, adapté au patient. Donc il prendra en considération les mécanismes de la fuite, l'importance de la fuite, le terrain et le retentissement psychosocial. Donc pour les incontinences urinaires à l'effort, donc on peut prescrire, il est recommandé en première intention de prescrire une rééducation périnéale. Donc on va donner des exercices à la patiente qu'elle va faire. On va l'adresser à un kiné, donc qui est habilité à gérer ce genre de patient. Il va lui donner des exercices, un testing musculaire, renforcement des muscles du périnée, donc qui va améliorer la continence. Parce qu'en renforçant les muscles du périnée, entre autres le muscle releveur de l'anus, on va améliorer la contraction du hamac et donc les mécanismes de continence. Donc, cette rééducation peut être manuelle et aussi on peut s'aider d'un biofeedback. Le biofeedback, c'est-à-dire on montre à la patiente, lorsqu'elle contracte, quel type de muscles sont en train de se contracter. Si elle contracte donc ses muscles abdominaux et relâche ses muscles périnéaux, donc on aura une courbe, par exemple, vers le haut. Par contre, si elle fait la commande correctement, on aura une courbe vers le bas. Ça, c'est le biofeedback qui est simple. Il y a des logiciels et des outils qui sont assez sophistiqués. Ça peut être même un jeu pour la patiente. Par exemple, elle a un poisson qu'elle doit amener vers le haut, ou bien un lapin qu'elle doit amener en haut de la colline. Et ça, donc, ça va motiver la patiente à faire ces exercices. Donc, la rééducation périnéale, c'est un traitement très important pour l'incontinence urinaire à l'effort. Même en cas d'échec de la rééducation, ça permettra de faire un traitement chirurgical donc sur un périnée qui est renforcé, qui est préparé. Donc les œstrogènes peuvent être prescrits. Il y a aussi le rajeunissement vulvo-vaginal, il y a des injections de PRP, tout ça. Ça vise à améliorer la trophicité du périnée. Donc en cas d'échec, habituellement, on prescrit 10 à 15 séances de rééducation périnéale. Après ces séances, si la patiente elle est satisfaite, si elle sent qu'elle a fait un progrès, on peut prescrire de nouvelles séances. Si la patiente n'a pas présenté de progrès au bout de 10 à 15 séances, donc c'est que la rééducation n'a pas été efficace et il faut passer à un autre traitement. Donc, on peut proposer dans ce cas la chirurgie par bandelette, donc soit par transobturatrice ou donc les bandelettes de type TVT, c'est des techniques chirurgicales. Donc c'est pas très important de les retenir, mais c'est une bandelette, c'est comme les cures par plaque d'une hernie. C'est un matériel prothétique qui va favoriser la fibrose et donc renforcer les tissus sous-jacents au niveau de l'urètre. Donc ça va permettre, lorsqu'il y a une hyperpression abdominale, de plaquer l'urètre contre cet hamac. Donc, les chirurgies par bandelette, ce n'est pas un traitement de première intention. C'est certes qu'il est efficace, mais qu'il peut engendrer donc des effets indésirables, donc de complications. Il peut y avoir une dysurie. La patiente peut devenir dysurique au point où on va intervenir et enlever la bandelette. Ou bien on va prescrire des autosondages parfois, s'il y a une hypoactivité physicale associée, hypocontractilité physicale associée. Donc, ça peut aussi engendrer des urgenturies de nouveau.
Donc la patiente, elle avait une incontinence urinaire à l'effort pur, et après mise de bandelette, la patiente, elle a des urgenturies. Et elle est elle souffre de ces urgenturies. Donc on est passé d'une incontinence à un autre type d'incontinence, et la patiente risque de souffrir encore plus. Donc il faut bien sélectionner les patients, les évaluer avant chirurgie. Il y a les traitements palliatifs. Donc si la patiente elle refuse la chirurgie, ou bien si la patiente elle a sportive de haut niveau, donc elle a une hyperpression due à une contraction importante des muscles abdominaux, ou bien c'est une patiente âgée, donc on peut prescrire ces traitements palliatifs. Par exemple, l'EPCR. L'EPCR, c'est comme un dispositif qu'on insère au niveau du vagin, donc qui va réduire un prolapsus. S'il y a un prolapsus, ça va le réduire et ça peut améliorer donc la continence urinaire. Sinon, si la patiente elle refuse l'EPCR, la patiente n'est pas opérable et tout ça, donc ça sera une patiente porteuse de couche. Et donc, elle aura une qualité de vie qui est altérée. Il existe les ballons ajustables. On met des ballons qu'on peut gonfler. On les met de part et d'autre de l'urètre au niveau le plus proche possible du col vésical. Donc ça va augmenter la pression au niveau du col vésical, ça va renforcer le fonctionnement des sphincters. Et sinon, s'il y a une insuffisance sphinctérienne majeure, donc le traitement chirurgical, ça sera un sphincter artificiel. Donc c'est un dispositif particulier où il y a une chambre, donc qui garde de l'air pneumatique, et il y a une sorte d'anneau gonflable tout autour du col vésical. Et donc, à la demande de la patiente, donc lorsqu'elle appuie sur un bouton, donc l'air au niveau de cet anneau va être chassé et se retrouver au niveau de la chambre, et le col vésical va s'ouvrir. Donc, elle va uriner. Après la miction, donc en appuyant de nouveau sur le dispositif, donc l'air, il va être ramené au niveau de l'anneau, et donc ça va favoriser la continence. Donc c'est un peu invasif, on va faire un sphincter artificiel. Le risque principal, c'est surtout les infections. Les infections sur matériel étranger, qui doit être amené à être enlevé. Donc pour l'incontinence urinaire par urgenturie, le traitement, il va viser les mécanismes de cette incontinence, c'est-à-dire il va agir au niveau des efférences ou bien des afférences, ou bien agir sur le muscle vésical. Donc pour agir sur les efférences, c'est-à-dire le détrusor ou bien les voies, on va prescrire des anticholinergiques parce que la contraction du muscle détrusor, elle est tributaire du système nerveux parasympathique. Donc si on prescrit des anticholinergiques, on va diminuer l'hyperactivité de ce muscle. Donc dans les cas extrêmes, on va être amené à faire soit de toxines botulinique, soit passer à la chirurgie. On va voir ça. Pour les afférences, on va faire une stimulation des nerfs qui ont donc des racines en commun avec l'innervation vésicale. On peut stimuler soit le nerf tibial ou bien stimulation du plexus sacré. Donc, par rétrocontrôle inhibiteur, en stimulant ces afférences, on peut faire un rétrocontrôle négatif sur le muscle détrusor et donc ça va diminuer l'hyperactivité de ce muscle. Et on voit ici que training, c'est-à-dire la rééducation, elle a sa place au niveau de l'incontinence urinaire par urgenturie ici. Donc la rééducation périnéale, elle doit être toujours prescrite de première intention dans l'incontinence urinaire à l'effort et même par urgenturie. Donc elle a toujours un bénéfice. Donc pour les anticholinergiques, il y a plusieurs types d'anticholinergiques. On va essayer de choisir un anticholinergique qui est efficace avec des effets indésirables qui sont minimes. On a l'oxybutynine, le ditropan, tolérodine, donc le détrusitol, la solifénacine, donc le vésicaire. Et donc en général, c'est prescrit une fois par 24 heures, sauf le ditropan, c'est trois prises par 24 heures. Les effets indésirables, donc les plus importants, c'est une sécheresse buccale. Il faut informer la patiente. Donc c'est sécheresse buccale, intolérance digestive,
C'est ça, les effets indésirables les plus fréquents et qui gênent le plus les patients. Donc, intolérance digestive, sécheresse buccale, flou visuel. Et il faudra faire attention chez les patients qui sont âgés. Il y a un risque d'aggravation d'autres pathologies et notamment de la démence. Il y a un risque, donc c'est ça. C'est parmi les nouveautés, donc l'EAU, la Société européenne d'urologie, l'AUA américaine, française, préconise tout de faire donc une évaluation cognitive des patients. Parce qu'avec la prescription des anticholinergiques, il y a un risque donc d'aggravation des signes et une précipitation des signes de démence chez les patients âgés. Donc l'une des contre-indications aussi, c'est le glaucome. Il faudra faire attention lors de la prescription des anticholinergiques chez les patients qui ont un glaucome. Donc, on peut prescrire les anticholinergiques si la patiente elle est satisfaite. Donc, on va continuer la prescription des anticholinergiques et on va surveiller la patiente pour les effets indésirables. Donc, dans la plupart des cas, ce traitement est suffisant. Dans certains cas, donc, les signes ne sont pas améliorés par la prescription des anticholinergiques. La patiente garde donc des urgenturies avec des fuites qui sont importantes. Et donc, dans ce cas, on peut prescrire donc une stimulation des nerfs tibiaux ou bien une stimulation des plexus sacrés. Donc, ça va agir sur les afférences. Donc, la stimulation du nerf tibial, elle est facile. Il y a deux patchs au niveau du tibial postérieur et par courant électrique, on va faire donc des séances de stimulation. Si la patiente elle est soulagée, donc on peut donner des fenêtres et évaluer la patiente et on peut même represcrire cette stimulation. On peut aussi donc faire la stimulation du plexus sacré, soit de façon temporaire, une connexion temporaire. Donc, avec une aiguille, on va la stimuler et on va voir si la patiente elle est améliorée sur une bonne période de temps. Pour les patientes que ce traitement-là est insuffisant, on peut implanter un dispositif électrique. C'est un dispositif qui génère du courant électrique, donc qui va stimuler ce plexus sacré. Donc, on va l'implanter au niveau de la patiente. Donc, ça sera permanent, cette connexion sera permanente. Donc, c'est un traitement donc qui ne peut pas être prescrit de première intention. Les recommandations, ici, c'est des recommandations pour les urologues et aussi pour les médecins généralistes. Donc, il faut associer aussi la rééducation périnéale, elle est tout aussi importante, et des règles donc d'hygiène. Donc éviter tout ce qui est stimulant, café, thé, tout ce qui est stressant, aller faire des mixtions à des heures bien déterminées, à des intervalles bien déterminés, ne pas se retenir trop. Donc ces règles hygiéno-diététiques, elles visent à améliorer donc les résultats des autres traitements au niveau de l'incontinence urinaire par urgenturie. En cas d'échec de ces mesures-là, on peut prescrire une injection de toxine botulinique. C'est le même effet que le Botox. Donc c'est le Botox. C'est le même effet au niveau du visage. Donc ça va donc inhiber la jonction neuromusculaire par la toxine botulinique. Et l'effet, il va durer 6 à 9 mois. C'est efficace jusqu'à 80% des cas. Et ça se fait par endoscopie. On fait par endoscopie, on entre avec l'endoscope, on a une aiguille spéciale. On va choisir des points de ponction au niveau de la sous-muqueuse et on va donc injecter cette toxine. En cas d'échec de tous ces traitements-là ou dans les formes graves, on peut avoir d'emblée donc une vessie qui est hypocompliante, qui ne se remplit pas. Elle se remplit à 100 cc seulement, 100 millilitres, et on a une hyperpression avec un reflux, des contractions de l'inhibé du trusor et un risque vers le haut, sur le haut appareil urinaire. Donc il peut y avoir une néphrite tubulo-interstitielle et une destruction du rein par cette hyperpression. Donc dans ces cas-là, on peut même aller d'emblée, après bilan urodynamique devant donc des données de mauvais pronostic, on peut aller vers ce qu'on appelle l'entérocystoplastie d'engourdissement. Donc on va faire une cystectomie cistrigonale, donc on va enlever la partie supérieure de la vessie, on va laisser le trigone, le col, les deux méas.
Et donc, on va faire un patch. Ce patch-là, il sera prélevé au niveau de l'intestin grêle. Donc, on va prendre l'avant-dernière anse iléale. Donc, ça sera un tube. On va l'ouvrir, des tubulisations. Et on va confectionner comme une sorte de nouveau réservoir. On va le mettre, ce patch-là, on va le mettre sur ce qui reste de la vessie, c'est-à-dire le trigone. Et on aura une nouvelle vessie, une entérocytoplastie d'agrandissement. On agrandit la capacité vésicale. Le but, donc, c'est d'avoir un réservoir qui se remplit à basse pression. Et donc, dans ce cas-là, la vessie était hypocompliante avec des contractions de l'unité du trésor. On a levé cette partie-là, on n'a plus ce trésor. On a mis un patch et on a un nouveau réservoir qui se remplit à basse pression. Donc, le problème, c'est que c'est une chirurgie assez lourde. Donc, on va prélever du grêle. Donc, il y a un risque de fistule donc digestive en post-opératoire. Il y a un risque d'absorption en post-opératoire, d'absorption donc des urines et des troubles ioniques, une acidose donc métabolique. Donc, ce choix-là sera justifié pour les cas extrêmes, c'est les patients très gênés, avec altération de la qualité de vie, réfractaires au traitement habituel qu'on a déjà cité, ou bien une vessie hypocompliante avec un haut risque sur le haut appareil urinaire. Donc, pour résumer un peu et faciliter, donc on est en consultation, on voit une patiente, elle a une incontinence urinaire. On va déterminer un peu le mécanisme de cette incontinence urinaire, à l'effort, ou bien par urgenturie, ou bien mixte. On va rechercher donc l'altération de la qualité de vie, l'importance de cette incontinence urinaire, les facteurs de risque, tout ce qui est les antécédents gynécologiques, chirurgicaux, urologiques, le diabète, et donc l'activité sportive. On va faire un examen clinique, surtout pour éliminer donc une incontinence urinaire par regorgement, qu'il faut adresser vers les urologues, c'est une urgence. Et donc, on va être amené à prescrire un traitement. Pour l'incontinence urinaire à l'effort, lorsqu'elle est pure, pour l'hypermobilité, donc c'est en général une incontinence urinaire qui est brève, ponctuée lors d'un effort de toux ou de rire, on va prescrire en première intention une rééducation du périnée. En cas d'échec, on va prescrire donc des bandelettes sous-urétrales, de la chirurgie. Si on est en face à une insuffisance sphinctérienne, dans ce cas-là, on va prescrire la rééducation, mais il y a un haut risque d'échec. Dans ce cas-là, on sera amené à faire un sphincter artificiel ou bien des ballonnets. Pour l'incontinence urinaire par urgenturie, première intention, rééducation, conseil hygiénodiététique et anticholinergique, en faisant attention à la prescription des anticholinergiques. En cas d'échec, on peut prescrire la neuromodulation ou bien l'injection de toxine botulinique. Et pour les cas donc assez avancés, ça sera une entérocytoplastie. La stratégie des prescriptions des anticholinergiques. Donc, on va demander, devant une incontinence urinaire par urgenturie, on va demander déjà une bandelette urinaire, un SBU pour éliminer une infection urinaire. On va mesurer le RPM pour voir s'il y a un résidu. Et ça va nous donner aussi une idée s'il y a une épine irritative de la vessie à type de lithiase vésicale ou bien une tumeur vésicale. Et en absence de résidus post-mictionnels donc importants, on peut prescrire ces anticholinergiques. Donc le choix de l'anticholinergique, il dépend de, entre autres, de la disponibilité, du prix et des effets indésirables, la tolérance de la patiente. Il y a le ditropan, donc ça sera en 3 prises. Il y a plus de risques d'intolérance avec le ditropan qu'avec les autres donc, anticholinergiques de nouvelle génération. Et on peut choisir soit le ditrizutol, soit le vésicaire, donc la solifénacine. Donc le prix, il diffère. Le vésicaire, c'est aux alentours de 65 dinars. Donc il faut évaluer le patient et donc voir s'il y a une contre-indication à la prescription des anticholinergiques.
Il faut s'assurer de l'absence donc de contre-indications, surtout le glaucome. Eh bien, faire attention chez les personnes âgées, il faut les surveiller parce qu'il y a un risque donc de précipitation d'une démence. Mais sinon, on peut les prescrire en médecine générale, il n'y a pas de problème. On les prescrit, on revoit la patiente pour donc évaluer la tolérance et l'efficacité. Si le traitement il est efficace avec une bonne tolérance, donc on va continuer la prescription. L'absence de gens qui sont capables de faire de l'éducation, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner à la patiente qui éventuellement joueront le rôle de cette rééducation? Donc la rééducation, donc on peut l'entamer, on peut la faire au cabinet. Donc on peut mettre deux doigts au niveau du vagin, demander à la patiente de se contracter, lui apprendre qu'il faut donc relâcher ses muscles abdominaux. Si elle veut se retenir, elle n'a pas besoin de contracter ses muscles abdominaux, donc ça va aggraver. Donc relâcher les muscles abdominaux, contracter son périnée. On peut vérifier, si on lui demande de contracter son périnée, on peut vérifier avec deux doigts dans le vagin si elle contracte bien son périnée. Le problème, c'est qu'il y a des patientes âgées, il y a des patientes avec atrophie vulvo-vaginale, avec un périnée qui est flasque. Et donc si on fait un testing, musculaire, on va trouver que la force musculaire, elle est vraiment très faible. Donc on ne peut pas donner à la patiente des conseils en lui de demander de faire des exercices, de renforcer ses muscles, si les muscles sont vraiment très flasques. Il faut commencer par donc une électrostimulation de ces muscles-là, donc faire des exercices de renforcement par quelqu'un qui a cette connaissance. Donc, les kinés qui ont cette expertise, donc il y en a. Et on peut l'adresser en médecine physique. On peut adresser la patiente en médecine physique. Donc, il va donc programmer cette rééducation, faire le biofeedback et faire donc le testing musculaire. Merci. Donc, je vous remercie pour votre attention. Oui. J'espère que ça. Oui, bien sûr. Y a-t-il des questions? Oui. Attends, vous parlez dans le micro parce qu'il y a un streaming. Merci. S'il vous plaît, ce qu'on voit dans notre pratique quotidienne, c'est surtout les vessies neurologiques. Oui. C'est surtout ça. C'est surtout les Oui. fuites urinaires involontaires avec les résidus et la cascade d'infections et tout. Oui. Parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Franchement, tout le jour, on est confronté à des vessies neurologiques. Est-ce qu'il faut aller trop loin avec la débimétrie, les investigations? Ou bien il faut indiquer d'emblée les anticholinergiques, ou bien les sondages intermittents, parce que ça nous intéresse. On voit beaucoup de sujets âgés, des Oui. sujets tarés, et je veux bien avoir une conduite beaucoup Oui. plus claire pour les vessies neurologiques. Ce que je conseille, c'est que pour les patients qui ont une vessie neurologique, qui sont un peu lourds à gérer, il vaut mieux les adresser dans un milieu spécialisé, au moins pour entamer le traitement. Donc pour faire les investigations, pour évaluer le pronostic de cette maladie, l'étiologie de cette maladie, parce que les vessies neurologiques, il peut y avoir plusieurs étiologies, donc voir l'étiologie, le pronostic, choisir donc le traitement, et après en médecine générale, on peut surveiller le patient, le voir, le suivre. Donc on peut faire ça. Mais ce que je conseille, c'est que si on est face à une vessie neurologique avec donc des patients qui risquent d'être graves, avec une débimétrie, on a une désurie qui est franche, ou bien donc une courbe qui est hachurée, qui peut être donc en rapport avec une dyssynergie vésico-sphinctérienne. On a un patient donc qui a des antécédents neurologiques chargés, par exemple sclérose en plaques, des diabétiques au stade de complications dégénératives et tout ça, c'est des patients qui sont lourds à gérer. Et ça, donc, ça nécessite donc une équipe pluridisciplinaire. Donc, des médecins de la médecine physique, un neurologue, même des gynécologues, des neurologues. Donc, il faut que ça soit dans un milieu pluridisciplinaire et spécialisé, parce que ça peut être difficile à gérer. Donc, il vaut mieux adresser les patients si on a une débimétrie qui est franchement anormale. Ou bien on a un bilan urodynamique, parce qu'on peut demander un bilan urodynamique dans la pratique quotidienne. Après, si on a le compte rendu de ce bilan urodynamique, on trouve que, par exemple, des synergies vésico-sphinctériennes.
C'est difficile à gérer. Il faut l'adresser donc dans un milieu spécialisé. Si on a une vessie avec des hypercontractiles avec des contractions de l'inhibé du trusor, par exemple hypocompliante, là c'est des signes de gravité. Donc il vaut mieux l'adresser dans un milieu spécialisé. Et après, on peut voir le patient avec le traitement qui a été initié, anticholinergique par exemple et autosondage. Oui, on peut suivre le patient et donc évaluer s'il fait correctement les autosondages ou pas, si ces autosondages sont compliqués fréquemment d'infection urinaire ou pas. On peut évaluer la créatinine, s'il y a un retentissement sur l'appareil urinaire, et on peut faire un bon suivi de ce malade. Et en cas d'anomalie, par exemple, la créate, elle s'altère. Par exemple, le patient n'arrive plus à faire ses autosondages. C'est surtout les infections urinaires à répétition. Exactement, les infections urinaires à répétition. Donc, il vaut mieux adresser dans ce cas le patient pour avoir un avis spécialisé. Par exemple, on peut l'adresser en urologie pour les infections urinaires. Et même l'urologue, il peut répondre que pour lui, ce n'est pas une infection urinaire. Parce qu'un SBU positif, chez un patient qui fait de l'autosondage n'égale pas une infection urinaire. Donc, bien sûr. Oui, exactement. Si, il ne faut pas se précipiter devant un SBU positif chez un patient qui fait des autosondages et donner des antibiotiques. Donc si le patient il ne se plaint de rien, on peut ne pas traiter. Par contre, si le patient il a de la fièvre, des lombalgies, d'autres signes qui sont inquiétants, on peut l'adresser donc en milieu spécialisé pour prendre en charge. J'ai des jeunes femmes avec une sclérose en plaques. La plupart du temps, il y a une infection urinaire. Des fois, on donne une période et on arrête juste comme ça. On change de famille. Surtout, s'il vous plaît, une dernière question. Parce que j'arrive à prescrire franchement l'urorec des fois à faible dose chez des femmes et j'ai eu des résultats pour l'incontinence. Je ne sais pas votre expérience parce que ça n'indique pas, mais à 4 mg, et il y a une satisfaction de la part des patientes. Donc, on peut prescrire. Il y a plusieurs médecins qui prescrivent donc des alpha-bloquants et même du baclofène. Baclofène. On prescrit ça pour diminuer, donc, pour agir sur le tonus au niveau du sphincter. Oui. Mais ce n'est pas vraiment prouvé. Ça n'a pas prouvé, mais ça donne des résultats. Ça donne des résultats, mais c'est au cas par cas. Il y a des patients qui sont répondeurs, mais il y a d'autres patients quand on leur donne donc du baclofène, de l'urorec, et donc ils ne sont pas répondeurs. Donc ça dépend de l'évaluation de chaque patient. Et les anticholinergiques, c'est à vie? On ne fait pas des fenêtres pour les anticholinergiques? On les donne à vie ou bien... On peut faire des fenêtres. On peut les prescrire 6 à 8 semaines. Oui. C'est là le maximum d'efficacité, 6 à 8 semaines. Oui. On voit la réponse de la patiente. On peut faire des fenêtres. Si il y a récidive des symptômes, on peut represcrire la même molécule. Oui. On peut aussi, si on a prescrit des anticholinergiques, on revoit la patiente. Oui. Et on juge que donc, la patiente n'est pas satisfaite. Il y a, les signes ne sont pas améliorés de façon importante. Donc, il ne faut pas prescrire... augmenter la dose. Si on augmente la dose des anticholinergiques, on peut augmenter l'efficacité, mais on va surtout augmenter les effets indésirables. Oui. Par contre, on peut changer de molécule. Si on a donné, par exemple, la solifénacine, on peut donner, si on a donné du tropon, ça ne marche pas, on peut donner après la solifénacine. Et vice-versa, si on a donné la solifénacine, ça ne marche pas, on peut donner du tropon. Parce qu'il y a donc une variabilité entre les individus, donc il y a des individus répondeurs et non. Il y a une autre molécule dont je n'ai pas parlé dans cet exposé, donc c'est les bêta-3 mimétiques, les agonistes bêta-3. Ils ne sont pas disponibles en Tunisie, c'est pour cela. Donc on va stimuler les récepteurs bêta-3 et ça va favoriser, ça va diminuer les signes d'urgenturie. C'est une alternative aux anticholinergiques, mais il n'est pas disponible en Tunisie. Mais pour la rééducation du périnée, moi je crois que ça doit être un âge jeune, franchement. Parfois, c'est trop tard. Je n'y crois pas beaucoup à un âge avancé. Le fait est là. Oui. Donc, après les accouchements, ça doit être systématique. Tout dépend de la motivation de la patiente. En général, c'est bénéfique. Si ça ne fait pas mal, si ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas du mal. Donc, en général, c'est bénéfique. Ça va renforcer
ce qu'on peut renforcer. Donc, ça va préparer le terrain à une éventuelle chirurgie. Ça peut être la solution. On fait une rééducation, la patiente, elle est améliorée. Donc, il est recommandé de prescrire cette rééducation. Tout dépend de l'âge, mais surtout la motivation de la patiente. Par exemple, si on a une patiente qui habite loin, qui n'a pas accès donc aux structures où elle va donc avoir cette rééducation. Donc, elle ne sera pas vraiment motivée à aller faire 10 séances à chaque fois. Donc, elle peut faire une ou deux séances et après, elle vous dit non, je ne suis pas soulagée. Donc, tout dépend des conditions de la patiente. Merci pour ces belles questions. On passe la deuxième question avant d'aller à la pause puis reprendre avec les questions. À vous. Vous vous présentez, Benti, s'il vous plaît. Aza Belghaï, présidente en médecine de famille. Donc, merci pour cette belle présentation. Bon, ma question c'est, est-ce que vous pouvez me réexpliquer pourquoi il faut évaluer le résidu post-mictionnel avant de mettre la patiente sous anticholinergique? Et si on a un résidu post-mictionnel important, quelles sont les alternatives thérapeutiques? Merci. Ok, donc si la patiente a un résidu post-mictionnel, par exemple il est à 200 cc, si on va prescrire des anticholinergiques, ça va diminuer la force du muscle détrusor et donc ça risque d'aggraver ce résidu postmictionnel. Mais la première question, c'est ce que vous avez demandé. Donc, si jamais il y a un résidu postmictionnel, quelle est l'alternative? Donc, s'il y a un résidu postmictionnel, il faut chercher pourquoi il y a un résidu postmictionnel. Et ça, c'est du ressort de l'urologue. Donc, il va voir s'il y a un prolapsus qui fait un effet pelote, donc qui ne permet pas à la vessie de bien se vider. Ou bien s'il y a une pathologie neurologique, parce qu'on peut avoir une pathologie neurologique qui donne des incontinences par urgenturie, et en même temps, ça donne une désurie. La cystopathie diabétique. Exactement. Donc, on va chercher la cause de ce résidu. Avant de prescrire les anticholinergiques, il faut comprendre pourquoi il y a un résidu. Et on va essayer de traiter les deux pathologies en même temps. Donc, l'incontinence et donc ce résidu, c'est cette mauvaise vidange de la vessie. C'est pour cela, si on ne traite pas le résidu et on met la patiente sous anticholinergique sans traiter la cause de ce résidu. Donc le résidu, il risque de s'aggraver et donner une rétention chronique d'urine et donc une vessie remplie qui peut retentir par dilatation du haut appareil sur le haut appareil. Et on va tomber donc dans l'incontinence par regorgement. Donc il faut éviter d'arriver à ce cas. Donc, il faut rechercher pourquoi il y a un résidu post-mictionnel, traiter l'étiologie avant de prescrire des anticholinergiques. Donc, l'échographie est systématique avant de prescrire les anticholinergiques. Oui. D'accord. Donc, merci. L'échographie, c'est surtout pour évaluer le RPM. Ce n'est pas pour évaluer l'autre appareil urinaire. Merci. Qui a une autre question? Vous passez le micro à votre voisine. J'ai une question par rapport pour les patientes qui souffrent de... Aïe, Mahloul. Pour les patientes souffrant d'une vessie neurogène avec des complications infections urinaires à répétition graves, quelle est la place de l'antibioprophylaxie? Est-ce qu'on peut prescrire pour ces patientes une antibioprophylaxie pour éviter ces infections graves? Non. Prescrire des antibiotiques sur des SEBU ou antibioprophylaxie, il risque de sélectionner des germes résistants. Et comme l'a dit notre camarade, donc ces patients, ils vont faire plusieurs infections urinaires. Ici, on sélectionne des germes résistants, donc ça, ils vont faire des infections urinaires qui risquent d'être graves avec des germes résistants aux antibiotiques usuels. Et donc, on va se trouver dans une impasse. On a un patient qui a une infection grave et on n'a pas d'antibiotiques. Je parle pour l'antibioprophylaxie, c'est pas une antibiothérapie curative. C'est antibioprophylaxie, à type de Bactrim à faible dose ou bien... L'antibioprophylaxie, elle est justifiée surtout pour si on va faire donc un geste diagnostique, par exemple cystoscopie, ou bien on va faire un bilan urodynamique. Bilan urodynamique, on va introduire des sondes du niveau de la vessie. Et si les urines ne sont pas stériles, il y a un risque de décharge donc de bactéries et d'infection. Donc pour éviter cela, on va s'assurer que le SEBU est négatif. Si le SEBU n'est pas négatif, on va faire donc une antibioprophylaxie surtout. On va couvrir le geste
48 heures avant ce geste par des antibiotiques. Donc c'est surtout ça. Mais sinon, je pense que vous parlez plutôt du reflux. C'est le reflux vésico-urétéral. Donc ça sera une antibioprophylaxie dans le cadre du reflux vésico-urétéral qui est donc prescrit pour éviter les infections, donc les PNA graves. Mais en cas d'incontinence urinaire par urgenturie, on ne va pas prescrire dans une antibioprophylaxie. On va faire une pause. Est-ce que c'est clair ou je n'ai pas répondu à votre question? Moi, je parle. Oui. Oui, oui. Oui. Non, non, non. Justement, c'est pas. C'est... Oui, 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 oui. Donc c'est la première réponse que j'ai donnée. Donc c'est des patients qui sont colonisés par ces germes. Donc c'est des patients qui sont colonisés par ces germes. Ils vivent avec ces germes-là. Ce n'est pas une infection. Et ce n'est pas le fait qu'ils sont colonisés par ces germes-là qui vont faire des infections. Ce n'est pas systématique. Ils ont ces germes-là, ils sont colonisés seulement par ces germes-là. Donc si on fait des ECBU, on va retrouver ces germes-là. Donc si on traite par excès, donc on risque de sélectionner des germes résistants et donc on n'aura pas de bénéfice. Dans ce cas-là, on n'aura pas de bénéfice. Par contre, dans le reflux, c'est discuté aussi, hein, dans le reflux vésico-urétéral, le but de l'antibioprophylaxie, c'est d'éviter donc ces infections-là, ces PNA graves. Donc on fait une petite pause et puis on revient pour le streaming dans, disons, une vingtaine de minutes maximum.
Donc on reprend. Je tiens tout d'abord à remercier la Société d'Urologie qui nous a permis d'animer cette soirée assez intéressante avec des thèmes variés et riches. Je remercie nos maîtres, nos amis, nos confrères, c'est Dr Raboudi, Dr Bouhafa, Haka, Boussafa, Dr Boussafa et c'est Dr Burhouma. Je vous remercie tous pour votre disponibilité et les communications de très haut niveau que vous nous avez assurées. On va faire un tour de micro. Chacun de vous va essayer en 7-8 minutes d'essayer de récapituler la session qu'il a assurée. Puis on va poser des questions. Donc on commence par Dr Burhouma. Vous avez le micro, donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Sizi. Je commence donc, je reprends un petit peu et vous dire bravo et félicitations pour ces sessions des mardis. Et c'est une bonne chose parce que c'est ce qu'on veut en fin de compte, c'est ces échanges entre différentes sociétés. Je suis très au courant de ce qui se passe par rapport à l'OA 341, par rapport à la formation continue, par rapport à tout ça. Mais moi, je trouve que c'est complètement bizarre un petit peu d'occulter tout ce travail-là. Tous les gens veulent se former. Vont dans des congrès, on leur demande de refaire des choses. Moi, je trouve que c'est pas du tout normal. On en a discuté. Ben, j'espère que ça va se résoudre ce problème-là. Donc, j'ai parlé un petit peu du cancer de la prostate. Le sujet qui m'a été dédié, c'est qui biopsier et qui opérer pour le cancer de la prostate. Bon, donc, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai revu un petit peu le côté dépistage et dire que le cancer de la prostate, c'est pas un dépistage de masse parce qu'on n'a pas des outils assez courants et assez sensibles et qui coûtent pas cher pour faire le dépistage. Donc le dépistage, c'est un dépistage individuel du cancer de la prostate. Il repose sur le PSA et le toucher rectal. Et quand on parle de dépistage, c'est des gens qui vont profiter du traitement curatif du cancer de la prostate. C'est-à-dire, quand on parle de dépistage, c'est des gens qui sont bien portants. Et on dit que c'est des gens qui ont une espérance de vie supérieure à 10 ans. Et que le dépistage ne se conçoit pas, par exemple, après 75 ans. Quelqu'un qui a 75 ans, 76 ans, 80 ans, je ne lui demande pas de PSA. Dans le cadre du dépistage pour chercher un cancer de la prostate. Donc ça, c'est le message qu'il faudrait passer. Donc dépistage vraiment individuel. Expliquer surtout, informer le patient pour lui dire que dès que je vous fais le PSA, il y a toute une cascade qui va suivre le PSA. Donc le PSA élevé, ça va dire que probablement et peut-être qu'il y a un cancer. Il faut faire des biopsies. Les biopsies peuvent être négatives, peuvent être positives. Peut-être qu'il y a un cancer, peut-être qu'il n'y a pas de cancer. S'il y a un cancer, est-ce que je traite ou je ne traite pas? Est-ce un cancer significatif ou pas? Est-ce qu'il faut faire une prostatectomie qui n'est pas dénuée de risque? Donc tout ça doit être expliqué. Vous voyez là toute la difficulté. C'est facile de mettre PSA dans une feuille, mais il y a toute une cascade derrière qu'il faudrait expliquer aux patients. Ça, c'est très important. Donc la biopsie, on l'a fait pour les gens qui ont un PSA qui est supérieur à 4 ou qu'ils ont un toucher rectal qui est suspect, c'est-à-dire il y a un nodule ou quelque chose. Donc ça, c'est la biopsie prostatique. On l'a fait pour ces gens-là. La biopsie prostatique n'est pas quelque chose d'anodin. Et d'ailleurs, maintenant, on nous a posé la question dans la salle sur l'intérêt des dérivés du PSA. Est-ce que le rapport, je dois le faire libre sur total? Est-ce que je dois faire la densité du PSA? Mais à mon avis, actuellement, ça ne sert plus à rien de faire ces dérivés du PSA, puisqu'on dispose d'un outil qui est super actuellement, qui est l'IRM prostatique. Et d'ailleurs, si j'ai mon patient qui a un taux de PSA élevé, c'est-à-dire qui est en bon état général, qui a un PSA élevé, qui est susceptible d'avoir un cancer de la prostate, avant ce qui est recommandé actuellement, avant même de faire les biopsies prostatiques, on va faire l'IRM prostatique. Parce que l'IRM prostatique, dès qu'on voit un nodule ou une image suspecte au niveau de l'IRM, on va faire les biopsies, mais on va en plus guider nos biopsies pour aller chercher le cancer, pour le trouver. La biopsie prostatique, c'est un acte qui se fait dans tous les services d'urologie, ça se fait dans le privé, ça se fait essentiellement par les urologues, ça peut se faire par les radiologues accessoirement. Il y a des petites complications par rapport à la biopsie prostatique, notamment les complications qu'on ressent le plus ou qu'on redoute le plus, ce sont les complications infectieuses. C'est vrai qu'on donne une antibioprophylaxie à base de ciprofloxacine 1 à 2 heures avant, généralement, mais ça n'empêche pas qu'on a des risques infectieux
à type de prostatite aiguë de l'ordre de 4%. Sinon, les autres complications, l'hémospermie, l'érectorragie, les hématuries, sont anodines et passagères généralement dans la majorité des cas. Et puis, on a parlé de la prostatectomie. Quand est-ce qu'on va faire la prostatectomie? Bien sûr, chez un patient chez qui on a découvert un cancer de la prostate localisé. Ça, c'est l'indication principale de la prostatectomie radicale. Vous savez, pour les traitements curatifs du cancer de la prostate, on a la prostatectomie radicale, la radiothérapie, la curithérapie. La curithérapie n'existe pas en Tunisie, elle est plus pour les petites prostates, mais on peut faire la radiothérapie et la prostatectomie, mais ça reste, et on a démontré que les résultats de la prostatectomie vont au-delà des résultats de la radiothérapie. Et pourquoi? La première cause, c'est qu'on a un meilleur contrôle local et puis on préfère, quand on a un cancer quelque part, de l'enlever. Par contre, si on fait une radiothérapie, je vais garder l'organe malade qui est en place. Et ça pose tout un problème. Donc quand j'ai la possibilité d'aller enlever cet organe qui est malade, qui est cancéreux, c'est toujours mieux qu'aller faire de la radiothérapie et garder mon organe en place. Donc la prostatectomie, elle est indiquée pour les cancers localisés. Et maintenant, on l'indique aussi pour les cancers même localement avancés. Et dans des centres de référence un petit peu mondiaux, on fait même la prostatectomie chez des patients oligométastatiques. Alors, ce n'est pas dans les guidelines, ce n'est pas dans les recommandations, mais voyez où est-ce qu'on avance avec la prostatectomie. On connaît beaucoup mieux la technique chirurgicale. Avant, c'était une technique très difficile, très hémorragique, qui tuait presque 5 malades sur 10. Actuellement, le taux de mortalité, il ne dépasse pas 1%. Ça va être une intervention assez difficile. Qui doit être faite par des mains expertes, et ça c'est très très important dans des centres de référence, chez des gens qui ont l'habitude de la faire, ça c'est quelque chose de primordial. Et puis avec les techniques maintenant, c'est mieux, on s'est fait moins saigner la prostate, et puis aussi on peut conserver le col pour améliorer les résultats pour la continence, parce que vous savez que la prostatectomie radicale, les complications les plus importantes, c'est l'incontinence urinaire, la dysfonction érectile. Donc on peut conserver le col pour améliorer la continence, et aussi on peut préserver aussi les bandelettes neurovasculaires pour diminuer le risque de dysfonction érectile post-opératoire. Merci. Donc, mais il y a une question à propos des techniques comme la radiofréquence. Et est-ce qu'ils ont une place dans le traitement des nodules et des lésions localisées au niveau de la prostate? C'est les thérapies, ce qu'on appelle les thérapies focales, qui portent soit l'ultraséance, soit c'est les micro-ondes, soit c'est par la chaleur, c'est-à-dire aller trouver vraiment la lésion et aller la brûler de l'intérieur. C'est pas encore dans les guidelines, c'est pas de premier abord, parce que je peux brûler une lésion, je la vois, mais par contre il y a une autre lésion que je la vois pas ailleurs, que je laisse. Donc c'est pas vraiment dans les pratiques quotidiennes. Il faut toujours garder en tête que la première intervention, la première indication de traitement du cancer localisé, c'est la prostatectomie radicale. Tout le reste, c'est encore en évolution, c'est en cours, en étude. Il y a plein de techniques qui ont été délaissées, il y a plein de techniques qui reviennent. Un petit peu. Vous savez, c'est pas évident quand je crée quelque chose, que je crée une technique, de la délaisser facilement. Donc, c'est pas évident. Mais ces techniques focales-là ne sont pas dans les guidelines de premier abord. Concernant la demande de la PSA, il y a eu une certaine confusion. C'est vrai qu'on demande la PSA pour des patients qui ont un bon état général, avec une espérance de vie de plus de 10 ans. Mais parfois, on est amené à le faire dans le cadre d'un bilan diagnostique, notamment si des sujets âgés qui ont des douleurs osseuses. Il faut pas, certains, il y a une confusion. On est en droit de demander le PSA en dehors du dépistage, dans le cadre d'un bilan diagnostique pour étiqueter une pathologie donnée ou voilà, un tableau donné chez un patient. Un dépistage, c'est-à-dire je dépiste quelqu'un qui n'a rien du tout. Voilà. Qui n'a absolument rien du tout et qui pourrait avoir un cancer de la prostate qui peut un petit peu réduire son pronostic vital ou ça peut faire des métastases. Mais dès qu'un patient qui vient me voir, un sujet âgé qui a des douleurs osseuses, le diagnostic, je suspecte, c'est vrai qu'il y a le myélome et tout ce qui va, mais aussi il y a le cancer de la prostate métastatique. Ouais. Et donc je fais le toucher rectal, je fais mon taux de PSA, je fais la scintigraphie osseuse s'il le faut et je fais la biopsie pour confirmer le diagnostic de cancer de la prostate, parce que le diagnostic du cancer de la prostate est toujours histologique. Merci. Est-ce qu'il y a une question parmi la présence? Oui. Juste, s'il vous plaît, le risque de rechute après la prostatectomie radicale, pour le cancer de prostate, est-ce qu'elle est élevée ou pas?
Pour les stades localement avancés, hormonothérapie versus chirurgie, pour le risque de rechute après pour la chirurgie. Merci. C'est une très belle question, merci pour la question. Alors, pour les cancers localisés de la prostate, on les classe, à part la classification que vous connaissez, la classification TNM, il y a une classification qui est très importante et qui doit être faite chez tous les malades, ça s'appelle la classification de M. D'Amico, qui est un Américain, qui a classé ces cancers localisés de la prostate en fonction de leur risque de rechute tardive. Donc, il a classé la maladie en trois classes, soit les faibles risques de rechute, soit les risques intermédiaires de rechute, soit les hauts risques de rechute. Donc vous voyez que dans les parties, dans ce que vous appelez les cancers de la prostate localisés, ils sont différents, il y a trois cases différentes, ça dépend du risque de rechute biologique, donc ça dépend, cette classification dépend de stade T, du taux de PSA et du score de Gleason, qui sont les trois paramètres très importants à prendre en compte. Et en fonction de ça, plus mon Gleason est haut, plus mon PSA est élevé, plus mon stade T est élevé, plus le risque de rechute biochimique après est important. Oui, madame. Merci. Pour le cancer de la prostate avec des métastases osseuses, quelle est la meilleure conduite? Est-ce que c'est plutôt l'hormonothérapie, la radiothérapie, l'abstention, la prostatectomie? Qu'est-ce qu'il faut faire de... Alors, parce qu'on découvre souvent des cancers de la prostate avec des métastases osseuses. Alors, le standard du cancer de la prostate métastatique, c'est l'hormonothérapie. On sait que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est hormonosensible, qui ressemble énormément au cancer du sein, et s'il est sous la dépendance des androgènes. Et donc, dès qu'on arrête un petit peu cet afflux d'androgènes, c'est surtout la testostérone, dès qu'on fait ce qu'on appelle la castration, généralement, mon cancer, il fend pour une période bien déterminé, que personne ne sait d'avance, jusqu'à arriver à l'échappement hormonal. Donc le traitement de première intention devant tout cancer métastatique, c'est l'hormonothérapie, la première ligne. La deuxième ligne, après, si ça échappe aux hormones, on va donner la chimiothérapie. Mais donc ce qu'il faut garder en tête, mon patient il est métastatique, je vais le mettre sous hormonothérapie, ça c'est le premier traitement qu'on propose pour les patients. Et les patients qui sont sous hormonothérapie, ça dépend, ils peuvent échapper en un an, mais on a des patients qui sont sous hormonothérapie depuis une dizaine d'années, qui vont très bien et qui sont toujours leur cancer de la prostate hormonosensible. J'ai d'ailleurs un patient qui a un nœud de prostate avec des métastases osseuses très douloureuses, où la radiothérapie a aussi un échec. Nous, on a fait le cours à la radiothérapie métabolique. Quelle est sa place juste, elle est antalgique apparemment. Alors, le traitement, c'est l'hormonothérapie. Pour le reste des cancers de localisation osseuse, soit on fait vraiment de la radiothérapie antalgique sur place, in situ, sur la lésion, soit si on a beaucoup de lésions, ça c'est tout l'intérêt d'injecter un radioisotope qui va se fixer au niveau de ces métastases-là, c'est le quadramètre, qui va se localiser au niveau de ses localisations osseuses et va diminuer, essayer de diminuer un petit peu l'inflammation qui est autour. Mais bon, c'est une thérapie qui a été utilisée il y a une dizaine, une quinzaine d'années, qui est de moins en moins utilisée maintenant. Merci. Donc, on passe à l'incontinence urinaire et la pathologie urinaire chez la femme. Donc, c'est Boussafa qui va nous donner un aperçu sur cette communication. À vous, Sidi. Je vous remercie, Dr Zidi. Donc, je remercie l'audience donc, d'avoir assisté à ce sujet qui est l'incontinence urinaire, qui est une pathologie assez fréquente, qui peut être lourde. C'est un fardeau pour les femmes qui en souffrent. Donc, le retentissement sur la qualité de vie, il peut être supérieur à des pathologies chroniques comme l'asthme, le diabète, l'HTA, et ça retentit aussi sur la sexualité. Donc, cette pathologie qui est courante n'est pas vraiment abordée par les femmes lors de la consultation, à cause donc du problème de sujets tabous, peut-être de manque ou d'estime de soi. Donc il faut insister à rechercher l'incontinence urinaire chez les femmes qui consultent si on a des facteurs de risque. Donc ces principaux facteurs de risque sont l'âge, le diabète, l'obésité, donc les antécédents gynécologiques comme donc les traumatismes obstétricaux, les manœuvres endovaginales, les antécédents donc de chirurgie pelvienne, ou de chirurgie pour incontinence urinaire. L'interrogatoire, il constitue la base du diagnostic de cette incontinence urinaire. Il va permettre donc de déterminer le mécanisme.
On a soit une incontinence urinaire à l'effort, soit une incontinence urinaire par urgenturie, ou ça peut être une incontinence urinaire qui est mixte. Donc, si on est devant une patiente qui, lors des efforts de toux, de rire, elle a une fuite urinaire qui est brève, concomitante à cet effort, donc brutale, c'est en faveur d'une incontinence urinaire à l'effort. Si, par contre, on a une patiente qui ressent un besoin impérieux d'aller uriner, elle n'arrive pas à se retenir et elle fait des fuites donc, suite à, ces, à ce besoin impérieux. Donc on est devant des fuites urinaires par urgenturie. Et les deux peuvent être associés dans les incontinences urinaires mixtes. Mais principalement sur l'interrogatoire, on peut voir la, le type d'incontinence urinaire qui prédomine. Donc on va aussi, donc, on peut s'aider lors de cet interrogatoire des questionnaires donc, qui sont disponibles pour ne pas oublier un peu la checklist, de voir les différents éléments pour bien évaluer cette incontinence urinaire. Et il faut demander les antécédents neurologiques des patients parce qu'il peut y avoir des vessies neurologiques de, qui, donc, qui entrent dans un cadre de maladie un peu grave. Donc l'examen clinique, il est plus ou moins facile, mais il faut penser à le faire. Donc, il faut examiner la femme en, avec une vessie qui est remplie. On peut aussi en gynécologique et debout. Donc, ça va permettre d'évaluer la trophicité des donc, vulvo-vaginales, de, d'objectiver un éventuel prolapsus, de, donc, d'objectiver, de mettre en évidence cette fuite urinaire lorsqu'on demande à la patiente de faire un effort de toux. Et dans ce cas-là, on peut réaliser lors des, donc de l'incontinence urinaire suite à l'effort, donc de réaliser les manœuvres donc de bonnet et d'Ulmsteen. Donc la positivité de ces manœuvres-là, c'est-à-dire qu'on met deux doigts au niveau du cul-de-sac vaginal antérieur, donc on va de part et d'autre de l'urètre, et on va faire une pression. Donc si la, les fuites urinaires disparaissent, ça, c'est un facteur prédictif de la réussite d'un traitement chirurgical, si jamais il va être fait. Donc l'examen aussi va rechercher des signes neurologiques, abolition des réflexes, diminution de la sensibilité. Il faut donc refouler un éventuel prolapsus pour démasquer une incontinence urinaire qui, est, donc, qui n'a pas été objectivée à cause de l'effet pelote de ce prolapsus. Et donc le toucher vaginal, il va aussi servir à évaluer la trophicité de la muqueuse vaginale et à déceler un une éventuelle inversion des commandes. Donc on va demander à la patiente de contracter son périnée, donc elle va relâcher son périnée, ne va pas contracter son périnée, et au contraire, elle va contracter ses muscles abdominaux. Donc on insiste sur l'importance de l'interrogatoire et de l'examen clinique lors d'une incontinence urinaire. Il ne faut pas passer à côté d'une incontinence urinaire par regorgement. Donc ça sous-entend que la vessie elle est trop remplie, elle ne se vide pas. Et ça peut être grave, ça peut retentir sur le haut appareil urinaire, donner une insuffisance rénale obstructive. Et donc il faut, à ce stade-là, l'adresser à un urologue. Donc lorsqu'on est devant une patiente avec une incontinence urinaire par regorgement, avec un globe vésical à l'examen clinique, il faut l'adresser à un urologue. Pour les examens complémentaires, donc ils ne sont pas systématiques. Ça dépend de la gravité, de la présentation de la malade et du type de l'incontinence. Pour l'incontinence urinaire à l'effort pur, donc on peut ne pas demander d'examen complémentaire. Pour l'incontinence urinaire par urgenturie, on va demander un ECBU aux bandelettes urinaires pour éliminer donc une infection urinaire qui constitue une épine irritative de la vessie. On va aussi prescrire une échographie urinaire, surtout pour évaluer le résidu post-mictionnel. Si jamais on va prescrire donc des anticholinergiques, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de résidu post-mictionnel. Cette échographie va permettre aussi d'évaluer la vessie et d'éliminer donc une autre épine irritative de la vessie à type de lithiase vésicale ou de tumeur vésicale. Donc le but de l'échographie, c'est de voir la vessie évaluer le RPM. Ce n'est pas d'évaluer les reins et les cavités excrétrices du haut appareil urinaire. Donc, concernant le bilan urodynamique, donc il est réservé pour l'incontinence urinaire à l'effort qui est compliquée ou complexe, c'est-à-dire devant des antécédents de chirurgie de l'incontinence urinaire, ou bien devant un prolapsus, ou bien devant un résidu postmictionnel qui est important avec des fuites urinaires à l'effort.
et donc ou bien associé à des urgenturies et dont les urgenturies sont prédominantes. Donc cet examen, ce bilan urodynamique, il va évaluer le fonctionnement du couple donc vessie-sphincter. Il va nous donner une idée sur l'activité du muscle détrusor et sur donc une idée sur la pression de clôture de l'urètre et une idée sur donc le fonctionnement du sphincter. Une faible pression de clôture peut témoigner d'une insuffisance sphinctérienne ou d'une hypermobilité urétrale. On peut déceler sur cet examen des contractions non inhibées du détrusor lors de la phase de remplissage. La vessie devrait se remplir donc à basse pression et on peut voir des contractions non inhibées du détrusor qui sont le reflet urodynamique donc de l'hyperactivité vésicale. L'hyperactivité vésicale clinique n'est pas dans tous les cas corrélée donc à une hyperactivité détrusorienne sur le bilan urodynamique. Donc d'autres examens complémentaires peuvent être demandés selon les circonstances, par exemple une cystoscopie si on suspecte une tumeur vésicale devant une patiente qui est tabagique avec des signes irritatifs donc en l'absence d'une infection urinaire, ou bien une hématurie microscopique, il faut penser à faire donc une cytologie urinaire ou bien une cystoscopie pour éliminer une tumeur vésicale. Concernant le traitement, donc le traitement, il peut être démarré déjà dès la première consultation en médecine générale, devant une incontinence urinaire à l'effort, qui est pure, sans signe de gravité, qui n'est pas complexe, on va insister sur la rééducation périnéale comme traitement de première intention. Donc ce traitement-là, ça sera soit par donc rééducation manuelle, soit par des mesures de biofeedback pour que la patiente visualise mieux donc la contraction de son périnée, de ses muscles abdominaux, ou bien par électrostimulation si jamais le testing musculaire il est très faible. Donc les muscles sont très faibles pour une contraction manuelle. Et donc après cette rééducation, c'est en moyenne 10 à 15 séances, on va évaluer la patiente si elle s'est améliorée. Donc on ne va pas demander d'autres traitements. Par contre, si la patiente est toujours gênée, elle a cette fuite ses fuites urinaires, donc on peut prescrire des bandelettes sous-urétrales donc, qui visent à soutenir l'urètre et corriger l'hypermobilité urétrale et donc à faire disparaître donc, l'incontinence urinaire à l'effort. On peut aller dans les cas d'insuffisance sphinctérienne sévère à mettre en place donc, des ballonnets périurétraux ou un sphincter artificiel. Il faut insister donc sur la rééducation périnéale parce que soit c'est le traitement ou bien elle prépare à la chirurgie. Elle va permettre de faire une chirurgie sur un périnée qui est préparé. Après, donc, il y a l'incontinence urinaire par urgenturie. Et donc, c'est l'hyperactivité vésicale, c'est les fuites, ça retentit sur la qualité de vie. C'est très gênant. Et on peut prescrire d'emblée des anticholinergiques en s'assurant qu'il n'y a pas de contre-indication à ces médicaments. Donc, entre autres, le glaucome. Et il faut faire attention donc, chez les sujets âgés, ça peut précipiter une démence. Donc, il vaut mieux, c'est recommandé maintenant, ce qui est nouveau, c'est recommandé donc, de faire une évaluation cognitive des patients âgés avant de prescrire des anticholinergiques. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas de résidus post-mictionnels qui risquent d'être aggravés par la prescription de ces anticholinergiques. Et donc, la présence de résidus post-mictionnels va amener le médecin à rechercher la cause. Et donc, on va adresser la patiente à un urologue. Après, ce n'est pas toutes les patientes qui sont soulagées par les anticholinergiques. Il y a d'autres moyens. Donc, on peut soit déjà changer de la classe des anticholinergiques ou passer à un autre traitement qui est les bêta-3 mimétiques, qui ne sont pas disponibles en Tunisie. On dispose aussi de la stimulation du nerf tibial postérieur. C'est des électrodes avec stimulation du courant par courant électrique. Et ça donne des résultats en jouant sur l'arc. Donc, c'est la stimulation des afférences de la vessie. Sinon, on peut aussi prescrire la neurostimulation du plexus sacré, soit de façon transitoire, ou bien implanter un dispositif qui sera permanent et qui va stimuler donc le plexus sacré et va donc
inhiber le muscle détrusor. Et un autre moyen, si jamais la patiente elle est gênée, et on a sur le bilan urodynamique donc une vessie qui a des contractions de libido détrusor, dont la compliance commence à diminuer, mais qui n'est pas très diminuée, on peut recourir à l'injection de toxine botulinique. Donc on va injecter, comme le botox, on va l'injecter au niveau du muscle détrusor par voie endoscopique. Et donc l'efficacité, c'est un traitement qui est cher, mais dont l'efficacité peut aller jusqu'à 80% et ça dure pendant 6 à 9 mois. Et en ultime recours, devant une vessie qui est hypocompliante, avec des contractions non inhibées, avec des pressions hautes, avec un risque sur le haut à appareil urinaire, on peut être amené à faire une chirurgie donc, par entérocystoplastie d'agrandissement, c'est-à-dire on va enlever une partie de la vessie, garder le trigone vésical avec le col et de méa, et on va mettre en place un patch à partir de l'éléant. Ce patch, donc, à partir de l'éléant, il sera détubulisé, donc ce n'est plus dans la forme d'un tube, pour donc, permettre à ce réservoir de se remplir à basse pression. Donc c'est une chirurgie donc, non dénuée de risques, de fistules digestives, de problèmes de réabsorption des urines avec acidose métabolique donc, au post-opératoire. Donc c'est vraiment réservé aux cas qui sont de mauvais pronostic et assez évolués. Et donc l'important c'est que une incontinence urinaire, c'est un signe qui est banal, ça peut être banal, accepté par la patiente, mais qui peut donc cacher une souffrance chez la patiente ou bien cacher une pathologie qui est plus grave. Donc il faut faire bien l'interrogatoire, bien l'examen. On peut démarrer un traitement de première intention et pour les autres cas, il vaut mieux l'adresser dans un milieu spécialisé. Je vous remercie. Merci, docteur. Pour Blais, une petite question. Ou plutôt une nuance. Est-ce que les anticholinergiques sont indiqués pour l'incontinence d'effort ou pas? Les anticholinergiques peuvent être indiqués pour l'incontinence d'effort si elle est associée à une incontinence par urgenturie, pour soulager voilà. Donc les signes d'un type de polakyurie, de nycturie. Fait le mixte, de... Oui, fait le mixte. Ouais, fait l'effort, non, c'est l'éducation. Voilà, c'est un point important à soulever. Et aussi la rééducation, elle est indiquée dans les incontinences urinaires par urgenturie aussi. Si je peux me permettre, vu la qualité de la présence, est-ce que un petit clin d'œil pour l'énurésie de l'enfant ou l'incontinence de l'enfant? En fait, l'énurésie de l'enfant, c'est presque un autre mécanisme. C'est une immaturité de la vessie, surtout. Donc, on peut prescrire des anticholinergiques, comme on peut prescrire donc le Minera. Donc, c'est l'équivalent de l'ADH. C'est l'ADH. Donc, pour diminuer donc, l'absorption de l'eau et le débit urinaire, et donc diminuer la diurèse, entre autres, pendant la nuit, éviter que par cette immaturité, l'enfant fait des fuites. Ce n'est pas vraiment le même mécanisme que... Par contre, on peut rechercher à l'interrogatoire chez les patientes qui ont une incontinence urinaire l'existence d'une éventuelle énurésie durant l'enfance qui peut être en rapport avec une atteinte neurologique. La rééducation, elle a sa place chez l'enfant? La rééducation? Oui. Oui. C'est pas vraiment c'est les conseils hygiéno-diététiques. Oui. Non. Mais la rééducation, non? Non. Ok. Donc, on passe au troisième orateur. Ah, il y a une question? Des fois, avoir des jeunes filles ou bien des adolescentes, mais l'association fuite urinaire et incontinence anale. On a tendance, quand on voit les patientes, à mettre au premier lieu sur le compte de la psychologie sociale, scolarité et tout, ou bien il faut prendre ça au sérieux et pousser les investigations. Association fuite urinaire et incontinence anale. Donc, chez des adolescents, c'est pas souvent, mais... Lorsqu'on a cette association-là, il faut faire attention pour ne pas passer à côté d'une pathologie neurologique sous-jacente. Donc, par exemple, la sclérose en plaques, qui est fréquente chez les patientes qui sont jeunes, donc, qui peut être le premier symptôme. Donc, c'est des signes urinaires ou bien des signes donc, d'incontinence anale. Et donc, ça peut cacher une pathologie neurologique sous-jacente. Donc, on peut faire un premier examen, donc un examen sommaire neurologique,
On va adresser la patiente à un neurologue pour ne pas passer à côté donc, de cette pathologie neurologique. Et aussi, c'est vrai qu'en général, le substratum chez les enfants, c'est un problème de pédopsychiatrie, donc l'association C2, surtout si on a une oncoprésie. Donc depuis l'enfance, la patiente n'a pas acquis sa propreté. Mais il ne faut pas passer à côté d'une pathologie neurologique. Donc si tous les examens sont normaux, donc oui, on va aller sur la piste de problèmes psychiatriques. Y a-t-il d'autres questions ? Sinon, on passe au troisième orateur, Sira Boudi, l'urodynamique. Honnêtement, nous, en médecine générale, on n'est pas des grands prescripteurs de l'urodynamique. C'est pour ça que j'ai voulu que vous soyez parmi nous. Et je voulais poser une question parce que chez les urologues, il y a un petit appareil où ils peuvent faire une urodynamique, un bilan un peu... la débimétrie. Quelle est sa place? Parce que voilà. On n'a pas trouvé ça dans l'exposé. Je vous remercie encore pour l'invitation cette soirée scientifique. Et on m'a confié la tâche de vous parler justement du bilan urodynamique, qui est une exploration complémentaire qui est assez prescrite en pathologie clinique courante pour nous, urologues, mais qui reste encore méconnu donc pour un large panel de médecins généralistes, de médecins de famille et même pour un certain nombre d'urologues. Alors, pour répondre à votre question, vous parlez peut-être de la débimétrie. Donc la débimétrie, en fait, c'est la première étape du bilan urodynamique. Le bilan urodynamique consiste en la réalisation de trois étapes essentielles, à savoir la débimétrie, la cystomanométrie et la profilométrie urétrale. Donc, généralement, les urologues disposent du débimètre dans les cabinets en ville ou même dans certains hôpitaux. Et c'est un examen de débrouillage qui est assez intéressant et qui donne donc des informations assez pertinentes ça permet en réalité de dépister une dysurie. Donc, les deux paramètres essentiels à rechercher et à quantifier. Donc, sur une débimétrie, c'est le volume uriné. Donc, ça doit être supérieur à 150 ml pour avoir une débimétrie interprétable. Et un débit maximal, qui doit être supérieur à 15 ml par seconde. Si c'est inférieur à 15 ml par seconde, on dit que le patient est dysurique. Donc, pour le reste du bilan urodynamique, il y a deux autres étapes essentielles. C'est la cystomanométrie et la profilométrie urétrale. Alors pour revenir un peu en arrière, c'est le bilan urodynamique, c'est une exploration complémentaire. Ça ne dispense jamais donc d'un interrogatoire bien conduit, d'un examen physique et surtout neurologique et pelvipérinéal donc bien conduit. Donc c'est une exploration complémentaire qui doit être prescrite à bon escient. Donc il y a des indications bien précises, ce n'est pas du systématique. On ne fait pas de but pour, dans le cas d'une incontinence urinaire, comme vient de le dire donc, mon ami Dr Boussaf, pour une incontinence urinaire, d'effort simple. C'est juste une débimétrie avec un calcul du résidu post-mictionnel. On fait ça par une échographie simple. Pas besoin d'aller faire un bilan urodynamique. Le bilan urodynamique, il faut informer le patient ou la patiente. Il faut informer donc sur comment ça va se passer en pratique concrète. C'est un examen qui se fait en ambulatoire, ça ne nécessite pas une hospitalisation. Ça se fait sans anesthésie. Ça dure entre 30 minutes et une heure. Ça se fait en position gynécologique et pas besoin d'être à jeun. C'est pas très douloureux, mais ça peut occasionner un inconfort, une gêne. Et tout ça doit être dit au patient ou à la patiente au préalable. Alors, donc, à part la première étape, donc la débimétrie dont on a parlé, donc il y a la cystomanométrie et la profilométrie urétrale. Donc la cystomanométrie, en fait, c'est un calcul d'un certain nombre de volumes et de pressions. En gros, il y a trois éléments indispensables. Donc la pression au niveau de la vessie, la pression au niveau du rectum, donc c'est ce qui équivaut à la pression abdominale, et la pression au niveau de l'urètre. Et on va voir donc cet équilibre entre le moteur vésical, donc le détrusor, le muscle vésical qui se contracte et qui pousse les urines hors de la vessie, et la filière cervico-urétrale avec le sphincter strié de l'urètre, et c'est ce qu'on appelle la résistance urétrale.
Il peut y avoir certaines pathologies où il y a une dyssynergie entre ce moteur et le sphincter ou les résistances urétrales. Normalement, la vessie se contracte, le sphincter se relâche pour avoir une fluidité donc des urines. Il peut y avoir une contraction vésicale et aussi une contraction du sphincter urétral, et c'est la dyssynergie vésico-sphinctérienne. Et c'est l'intérêt du bilan urodynamique pour détecter ce genre de dysfonctionnement. Donc pour la systomanométrie, il y a d'autres types de pression et de volume à rechercher, notamment la compliance vésicale. La compliance vésicale qui est un élément très très important parce que ça conditionne le pronostic rénal. Donc la vessie a la propriété de se distendre de façon importante sans élever les pressions. Ça se distend, mais avec une pression qui reste basse. Et c'est très important donc, pour le haut appareil urinaire. Donc la systomanométrie permet de calculer donc, cette compliance vésicale qui doit être de l'ordre de 30 à 50 cm d'eau. Donc, pour la suite, vous avez donc la détection des contractions non inhibées du détrusseur. Donc, ce dont a parlé donc, mon ami Dr Boussafa, c'est des contractions anarchiques, donc à faible remplissage de la vessie, et vous avez des spikes, des contractions désinhibées, non involontaires, donc du muscle détrusorien, et ça peut être le substratum donc, des fuites urinaires par urgenturie. Et c'est la traduction urodynamique de l'incontinence par urgenturie. Donc déjà, quand vous détectez ça sur un bilan urodynamique, vous avez votre réponse. Donc cette contraction désinhibée du détrusseur, elle peut être phasique ou elle peut être terminale, donc à la fin du remplissage. Et ça peut occasionner une miction complète sur table. Donc c'est tout l'intérêt donc, de la réalisation du bilan urodynamique pour détecter ces contractions désinhibées du détrusseur qui peuvent se faire à haute pression, et ça peut conditionner donc le pronostic sur le plan du haut appareil urinaire. Donc, pour la suite, vous avez donc la profilométrie urétrale, c'est le calcul donc des pressions au niveau de l'urètre, au niveau donc du sphincter strié de l'urètre. Donc c'est ce qu'on fait, c'est le calcul de la pression de clôture. C'est une pression, normalement, s'il y a une formule théorique, c'est 110 moins l'âge du patient ou de la patiente. Et normalement, si vous avez un patient qui a 60 ans, 110 moins 60, c'est 50 cm d'eau. Normalement, vous avez une compétence du sphincter strié de l'urètre. Si vous avez une pression de clôture qui est inférieure à 30, on parle d'une insuffisance sphinctérienne. Si vous avez une pression de clôture qui est inférieure à 20 cm d'eau, c'est une incompétence sphinctérienne sévère. Donc c'est encore l'intérêt du bilan urodynamique parce que c'est le seul examen qui vous permet de détecter ce genre d'anomalie et qui conditionne par la suite le succès ou l'échec donc d'éventuelles alternatives thérapeutiques, notamment chirurgicales. Donc trois étapes essentielles, débimétrie, systomanométrie, profilométrie urétrale, toujours un interrogatoire avec un examen physique bien fait. Et on demande ce bilan urodynamique devant des indications bien précises, jamais pour une incontinence urinaire à l'effort seul, simple. Si vous avez, comme l'a dit mon cher ami, donc Dr Boussafa, une incontinence urinaire complexe ou d'effort complexe, ou chez une patiente qui a déjà été opérée, ou si vous avez une incontinence mixte ou une incontinence sévère avec de multiples protections par jour, c'est l'indication du bilan urodynamique. Si vous avez une donnée qui vous met la puce à l'oreille qu'il y a un problème neurologique, une vessie neurogène. Par exemple, l'exemple type, c'est le patient donc, de sexe masculin qui a 70 ans, qui a une prostate, une hypertrophie de la prostate tout à fait normale pour son âge, donc une obstruction prostatique, mais qui a aussi une maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson, ça peut donner une acontractilité ou une hypocontractilité vésicale. Et votre patient est dysurique. Il vous vient vous voir et il vous dit qu'il est dysurique, qu'il n'arrive pas bien à uriner, qu'il se lève la nuit, tout ça. Et vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Est-ce que le problème est prostatique pur? Est-ce que c'est la vessie qui ne se contracte pas assez?
Est-ce que quand moi, urologue, ou quand vous allez adresser votre patient à votre urologue qui va indiquer une opération, une intervention chirurgicale sur la prostate, une résection de la prostate ou une adénomectomie prostatique, est-ce que votre patient va aller mieux ou au contraire, il va encore se remettre en rétention? Et c'est l'intérêt du bilan urodynamique, notamment donc l'étude pression-débit, l'instantané mixionnel, qui vous dit, qui fait la part des choses entre contractilité, un problème de contractilité vésicale ou une obstruction mécanique prostatique. Et c'est l'intérêt. Donc à chaque fois où vous avez un problème donc, qui vous indique qu'il y a un truc neurogène, un patient qui est diabétique depuis 20 ans, qui a une neuropathie diabétique, un parkinsonien, un traumatisé médulaire, bien sûr. Tout ça, donc il faut penser à, bien sûr, après examen et interrogatoire, à prescrire un bilan urodynamique pour ne pas tomber dans le piège d'aller faire des interventions qui ne vont pas résoudre le problème, qui vont encore peut-être compliquer les choses, et ça vous expose peut-être à des retours très négatifs de votre patient, voire des plaintes. Donc, savoir quand prescrire, bien prescrire le bilan urodynamique, la technique est très importante, il faut avoir un référent dans ces cas. Donc il faut adresser votre patient à un référent en but d'un bilan urodynamique parce qu'il faut avoir un examen qui soit fait dans les règles de l'art. Sinon, les résultats de cet examen ne sont pas interprétables. Voilà. Merci, docteur Labodi. Y a-t-il des questions? Donc, je vous remercie tous. Mais encore, pour clôturer, est-ce que vous avez des messages à passer aux médecins généralistes? Non, est-ce que vous, un drapeau rouge, un take-home message pour chacun d'entre vous? Donc, le micro est ouvert. Si on parle de la première communication, quels sont les trucs que le médecin généraliste doit éviter? Quelles sont, d'après vous, les choses qu'on doit impérativement faire? Moi, avant que vous nous donniez votre avis, je pense que tous les médecins généralistes doivent intégrer des équipes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler seul, ben, on ne va pas s'amuser à demander une urodynamique. Il faut toujours communiquer avec un urologue pour faciliter ce travail. Et je pense qu'on doit tous intégrer des équipes où il y a des chirurgiens, des urologues, des gynécologues et tout, pour faciliter la prise en charge de nos patients, être dirigé, avoir plusieurs avis, comme on l'a su aujourd'hui grâce à la société d'urologie, qui a des micro-spécialités au sein de la spécialité. Donc, comme on a vu que si la Boudi maîtrise bien l'urodynamique, chacun a sa micro-spécialité. Donc, il faut se renseigner pour faire bénéficier ses patients et pour améliorer la prise en charge en première ligne. Je vous remercie tous. Donc, je vous laisse le micro pour nous passer des messages, s'il vous plaît. Merci. C'est très bien, je suis content parce que je vois des correspondants et on n'hésite pas. Nous, de toute façon, nous, à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un petit souci ou que vous avez notre numéro, on peut vous donner. Il n'y a aucun problème par rapport à un patient, par rapport à la prise en charge d'un patient, par rapport à la prescription d'un examen. Je reviens à l'urodynamique, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'un examen très facile à faire. Pas un examen comme ça, on le demande quand on ne comprend rien, pas grand-chose en fin de compte, où on a peur des suites médico-légales. C'est-à-dire, j'hésite un petit peu, est-ce que je vais réséquer la prostate, oui ou non, chez un patient. C'est comme demander les BK, quand on est coincé un petit peu, on demande les BK dans les urines. Donc c'est exactement ça, l'urodynamique. C'est vraiment très, très compliqué, très difficile à faire. Je reviens un petit peu à mon sujet. Donc, le take-home message... Le PSA, il faut savoir quand le faire. La biopsie n'est pas assez anodine et maintenant on a un outil extraordinaire qui est l'IRM. Donc dans votre pratique courante, vous avez un patient qui est jeune, qui est bien portant, qui a un PSA élevé. Ben, c'est super. À partir d'aujourd'hui, vous savez que je peux, avant de l'adresser éventuellement pour faire une biopsie prostatique à l'urologue, je pourrais lui demander une IRM prostatique qui pourrait guider les biopsies et pourrait éventuellement même me dire ne pas faire les biopsies. Parce que si j'ai une IRM prostatique qui est strictement normale, je peux discuter avec le patient, vous dire, moi je ne vois rien d'anormal dans la prostate. On peut temporiser parce que la biopsie n'est pas assez anodine que ça.
Le deuxième message, c'est par rapport à la prostatectomie. C'est vrai qu'on aurait eu un radiothérapeute ici, il aurait défendu la radiothérapie. Ce n'est pas parce que je suis chirurgien que je défends la chirurgie, mais le premier argument, c'est enlever l'organe qui est malade, très important, et que la radiothérapie, même avec ses améliorations, maintenant, avec on fait la radiothérapie conformationnelle beaucoup mieux, mais ça reste quand même non dénué d'effets de rectite radique, de vessie, de cystite radique, qui sont des complications fonctionnelles qui sont très graves parfois. Donc c'est pour ça tout l'avantage de la prostatectomie radicale. Même si on pousse nos patients à la radiothérapie, je sais que les malades, ils ont confiance en leur médecin généraliste, en leur médecin de famille, pour aussi un petit peu augmenter ou argumenter en faveur d'un traitement par rapport à l'autre. Et je les invite à plus pousser pour la prostatectomie radicale, qui reste un traitement entre de bonnes mains, qui donne de très, très, très bons résultats. Oui. La prostatectomie radicale, c'est enlever toute la glande prostatique. On l'a fait soit par chirurgie ouverte, soit par la chirurgie ouverte. C'est la chirurgie rétropubienne. On enlève toute la prostate. Ce n'est pas une technique de résection ou d'enlever un petit bout de la prostate. C'est enlever vraiment toute la prostate avec les vésicules séminales. Donc on l'a fait soit par voie ouverte, soit par célioscopie, soit par robot aussi. On en a parlé un petit peu dans le discours. C'est Boussafa. Donc concernant l'incontinence urinaire. Quelles sont les choses dont on doit se méfier, nous, médecins généralistes, et comment améliorer la prise en charge de ces patientes qui souffrent, honnêtement. L'impact social est très important. Hein. Honnêtement, les patientes, parfois, dans nos consultations, ils ne le disent pas. Oui. Moi, personnellement, je sens l'urine, donc je pose la question. Mais généralement, les femmes, ils ne veulent pas l'avouer. C'est rare où les patientes viennent pour traiter l'incontinence urinaire. C'est une constatation, généralement. Voilà, elle est cachée, c'est le mari qui le dit. Voilà. Donc, comment Aoulhaj a dépisté ces gens-là, essayer de les réconforter? Qu'est-ce que notre rôle, nous, médecins généralistes, où est-ce qu'il réside? Et quelles sont les fautes qu'on ne doit pas faire? Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, concernant l'incontinence urinaire, il y a le problème de sujet tabou. Ça, c'est un handicap pour les patientes. C'est un fardeau. Il y a des patientes qui, pour elles, ça, c'est normal. Ça fait partie du vieillissement. Donc, et il y a des patientes qui ne savent pas qu'il existe un traitement. Donc, le rôle du médecin généraliste, c'est soit prendre en charge la plainte de la patiente initialement, donc elle s'est plainte d'incontinence urinaire, ou bien la rechercher, c'est poser la question. Et pour poser la question, si on demande à la patiente est-ce que vous êtes incontinente ou pas, il y a un risque que la patiente dise non, je ne me plains pas d'incontinence urinaire. Mais on peut poser la question de la façon suivante, par exemple. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des fuites urinaires? Et elle peut vous répondre que parfois, elle peut avoir des fuites urinaires. Et là, à partir de cette question, on peut aller pour évaluer donc, le retentissement de cette incontinence urinaire, le retentissement sur la qualité de vie, l'abondance de cette fuite urinaire. Et on peut partir de ce point-là pour faire donc, l'interrogatoire et l'examen clinique. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que la prise en charge de l'incontinence urinaire, elle est parfois donc multidisciplinaire. Dans quelques cas, c'est une incontinence urinaire à l'effort pur, simple. Et là, c'est le rôle du médecin généraliste. Il peut prendre en charge l'incontinence urinaire à l'effort simple. Il va prescrire. Donc, il va faire un bon examen. Il va prescrire ensuite une rééducation. Et ça peut s'arrêter là. Sinon, si la patiente ne s'améliore pas, il va l'adresser à un urologue. Par contre, ça c'est l'incontinence urinaire à l'effort. Par contre, l'incontinence urinaire à l'effort compliquée, avec prolapsus, avec urgenturie, avec d'autres pathologies, ou bien l'incontinence urinaire par urgenturie, là c'est un peu plus problématique. Donc le médecin généraliste, il est au centre de la prise en charge. Donc il va faire la prise en charge initiale. Fréquemment, c'est le médecin généraliste qui prend en charge initialement ce genre de malade. Et après, il va coordonner donc la prise en charge avec les urologues, les gynécologues, médecine physique, les neurologues. Et il ne va pas hésiter à adresser la patiente à un psychiatre. Si jamais la patiente, vraiment, elle est déprimée, elle souffre de cette pathologie, il peut l'adresser à un psychiatre. Donc,
parfois il y a donc un terrain psychologique particulier pour les, l'hyperactivité physique. Il faut prendre en charge cet aspect aussi. Et il ne faut pas passer à côté des maladies graves. Par exemple, une vessie qui se vide par trop-plein, c'est les fuites par regorgement, ce n'est pas des fuites urinaires comme les fuites urinaires à l'effort. Donc à l'examen, on va trouver un globe vésical, parfois qui n'est pas vraiment évident. Hein. On a une patiente qui est obèse, c'est un globe chronique qui est mou, ce n'est pas vraiment évident. Mais on aura demandé une échographie pour évaluer le RPM. On va trouver donc il s'agit d'un globe vésical chronique. On va voir que les fuites urinaires ils sont insensibles et permanentes à tout temps, surtout s'aggravant au changement de position. Donc ça évoque une fuite urinaire par regorgement. Ça, il ne faut pas passer à côté de ça. Donc dès qu'on a des fuites urinaires par regorgement, on va adresser la patiente à un urologue. Donc il va assurer la prise en charge. Et après, on peut toujours donc assurer le suivi des patients. Donc, ça, c'est concernant les fuites urinaires par regorgement. Il ne faut pas passer aussi à côté des fistules vésico-vaginales. C'est plus rare. Le contexte, il est un peu particulier. C'est une patiente qui vient d'être opérée. Elle a eu une opération pour une tumeur gynécologique ou bien en postpartum et tout ça. Et elle a des fuites urinaires. C'est insensible, permanente et par le vagin. Donc, ça évoque une fistule vésico-vaginale. Donc, on va adresser la patiente à son gynécologue ou bien à un urologue. Donc c'est ça le plus important. Et sinon, concernant le traitement, on peut commencer le traitement. Il ne faut pas hésiter à commencer le traitement. On peut commencer le traitement par rééducation. La rééducation a sa place, les conseils hygiéno-diététiques et finalement les anticholinergiques. On peut le prescrire en pensant aux contre-indications. C'est tout. Okay, merci. Monsieur Aboudi, donc on a compris que l'urodynamique est un examen très important qui a beaucoup d'utilité, que c'est très, mais ça doit s'intégrer dans toute une prise en charge, notamment spécialisée pour complément d'exploration pour bien traiter avant une chirurgie, voilà, en post-chirurgie. Mais quand est-ce qu'il y a une indication pour qu'un médecin généraliste demande lui-même une urodynamique en dehors de la débimétrie, qui est un examen honnêtement facile que les urologues pratiquent au quotidien. Alors pour le bilan urodynamique, il n'y a pas d'objection à ce qu'un médecin généraliste prescrive un bilan urodynamique. J'en vois pas une. Ça doit être fait à bon escient. Donc en connaissant les indications, en savant ce qu'on recherche, en demandant cet examen, on ne va pas revenir sur les indications. Donc faut les savoir, faut les connaître. Et il faut indiquer le bilan urodynamique à bon escient. Donc, je pense que la débimétrie, elle est assez vulgarisée en ce moment. On en trouve un peu partout en ville ou à l'hôpital. C'est un examen de débrouillage assez intéressant. Et je pense que en commençant par une débimétrie avec un calcul du résidu postmictionnel, on peut avancer dans le diagnostic et la prise en charge de nos patients. Mais il ne faut pas hésiter à demander plus, donc un bilan urodynamique complet quand c'est bien indiqué, quand on a donc une incontinence urinaire sévère, mixte, en préopératoire. C'est un examen qui est très intéressant, qui a un intérêt pronostique considérable. Et je pense que tout médecin, donc médecin généraliste de famille ou urologue, médecin physique, gynécologue, peut demander cet examen quand c'est bien indiqué. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Une dernière question, apparemment. Ok. Je viens vers vous, Anis. Concernant l'incontinence urinaire chez la femme, est-ce que la cystite qui est une pathologie très fréquente chez la femme, qui est parfois récidivante ou chronique, est-ce que ça peut être une cause d'incontinence urinaire? Merci. Donc, la cystite chez la femme, elle peut... Ça va donc donner des signes de bas appareil urinaire à type de polacurie, brûlure mixtionnelle, donc ça peut donner des nicturies. Et c'est vraiment les symptômes de l'hyperactivité physicale clinique. Et donc c'est l'épine irritative. La cystite, cette infection, constitue l'épine irritative, c'est-à-dire un truc qui irrite la vessie, et qui va donner cette hyperactivité physicale. Ça peut aller jusqu'à avoir, la patiente peut avoir des fuites. C'est des fuites par urgenturie. Donc dans la cause, c'est la cystite. Donc, en traitant la cystite,
On va donc traiter de cette incontinence urinaire. Donc c'est vrai que parfois, ça peut être récidivant, cette site peut être récidivant, et dans ce cas, on va adresser la patiente à un urologue donc pour prise en charge d'une cystite récidivante. Il va faire donc la batterie des examens complémentaires, les conseils, les traitements adéquats. Quelle est la place des thérapies complémentaires, telles que, par exemple, l'acupuncture ou bien l'hypnothérapie, l'hypnose? Et pour quel type sont plutôt indiqués? Pour quel type d'incontinence? Donc, je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je suppose que l'acupuncture, elle aura un effet similaire à celui de l'électrostimulation d'une nerf tibiale. Donc, c'est-à-dire qu'en faisant l'acupuncture, on va agir sur les afférences nerveuses. Donc, les afférences nerveuses peuvent faire un effet inhibiteur. Donc, ça va inhiber donc, le fonctionnement du système nerveux donc, qui est responsable de la stimulation du détrusor. Donc, en jouant sur les afférences, on peut donc jouer sur la stimulation du muscle détrusor et donc calmer la vessie. Donc ça, c'est pour l'acupuncture. Pour les autres, je ne sais pas, thérapies comportementales et tout ça, ça peut agir sur aussi la composante un peu psychologique de la patiente parce que l'hyperactivité physique peut être considérée comme une pathologie psychosomatique aussi, en éliminant les pathologies neurologiques et en ayant un examen neurologique qui est normal, il n'y a pas d'autres anomalies. Les plantes phytothérapie. Ah, l'hypnose. Oui, possible. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Ce n'est pas dans les recommandations. Ce n'est pas dans les recommandations des sociétés savantes. C'est qu'il n'y a pas d'études avec un fort niveau de preuve pour dire que voici l'hypnose, elle est efficace, on peut la prescrire. Par contre, c'est recommandé de faire la rééducation, par exemple. Ça a été prouvé. Donc ça, il y a des recommandations. Mais par contre, pour les autres thérapies, je ne sais pas. Je pense qu'il est temps de clôturer l'hypnose. On est hypnotisé déjà. Je remercie toute la présence, et notamment nos amis maghrébins qui nous suivent, des Algériens, des Marocains, mais tous les médecins de tout le territoire. Merci à la Société d'Urologie et à nos confrères qui nous ont honorés par leur présence. À la prochaine aussi, une dernière session d'urologie avant la fin d'année. Bonsoir et à tous.